On est actuellement à La Fabrique, à Saint-Pardoux-Soutier. Je vous fais découvrir un petit peu les lieux. Allez, c'est parti. Alors là, c'est un lieu pour faire des yourtes et tout. Voilà. Là, c'est un grand espace. Voilà. Il y a plein de jeunes parce que c'est l'assemblée libre des jeunes dans les Deux-Sèvres, avec du coup, comment je pourrais vous dire ça, avec du coup bah, les référents jeunesse de divers lieux du Bocage ainsi que de la Gâtine. Du coup, voilà. Comment je pourrais dire ça? On est à, du coup, oui, comme je vous disais, à La Fabrique et tout, avec plein de jeunes, à l'Assemblée libre des jeunes. Du coup, ben voilà. Du coup, voilà. Écoutez, je ne déplais sur rien. Je suis ravi de vous faire cette vidéo pour vous faire découvrir différents lieux. Du coup, voilà. Alors, j'essaye de vous faire découvrir le maximum de choses. Tac. Là. Hop. Voilà. Du coup, bah, là, on est dans une salle où je ne sais même pas ce qu'on y fait. C'est des travaux avec du bois et tout. Enfin, voilà. Vous voyez ? Une salle studieuse, spacieuse. Vous voyez, avec des instruments. Diverses choses. Oh, alors du coup là, nous sommes. Alors, oui, un truc que je ne vous ai pas dit, mais ici à La Fabrique, c'est un grand local avec plusieurs locaux, petits locaux et tout. Et du coup, ils abritent les œuvres et tout. Du coup, voilà. Là, ça me fait rire parce que. En fait, je suis avec mon référent jeunesse. Du coup, voilà. Un référent jeunesse au top, d'ailleurs. Avec mon ancienne référent jeunesse. Au top, tout autant. Voilà. C'est vrai qu'on a été pas mal bien accueillis. Alors, je vous fais découvrir les endroits les plus sombres. Vous voyez ? Ça, c'est tout. Ces locaux, là, sont du coup des locaux. Comment je pourrais vous dire ça ? Des locaux où on y travaille, du coup, voilà. Alors, c'était là où j'étais tout à l'heure. J'étais tout en haut, là. C'était la grande salle. Là, c'est l'extérieur. Hein ? Si vous voulez, ici, c'est l'extérieur. Écoutez, je vais vous laisser avec la suite, si jamais il y a des suites.
Du coup, bah voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Les plaisiriens. Tous les plaisuriens, tout ça pour vous dire que, alors du coup oui, je suis désolé, j'ai fait cette petite mini vidéo à la gare de Parthenay. Alors en fait, oui, on est le lendemain, je suis vraiment désolé, et du coup, je souhaitais vous parler des personnes qui se sont affichées dans la vidéo. Alors, le premier, il s'agit de la première personne que vous avez vue. Il s'agit de Othello, mon référent jeunesse, qui se situe sur Châtillon-sur-Touet, à la MPT de Châtillon-sur-Touet. Et en fait, tout simplement, comment je pourrais vous dire ça? En fait, il s'occupe des projets, des sorties, etc., des jeunes. Du coup, bah voilà, voilà, voilà. Et aussi, bah voilà, il peut accompagner les jeunes dans leur vie quotidienne et tout. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à son sujet? Pour ceux qui habitent, si vous êtes de Parthenay, dans le canton de Parthenay, sauf le canton de, du coup, alors, les villes trop éloignées. Alors, malheureusement, il y a la Peyrade, je crois, qui n'est pas. Bon, c'est une ville qui n'est pas. Enfin, je crois. Il m'a dit, je crois qu'il s'occupait pas de cette ville. Du coup, voilà. Mais toutes les autres, sinon, de la commune de Parthenay-Gâtine, à savoir, bah, du coup, Parthenay, Pompère, Viennay et compagnie, bah, en fait, si vous êtes de ces villes-là, n'hésitez pas à aller contacter Othello, du coup, pour que voilà, il puisse, bah voilà, vous puissiez vous adhérer à, du coup, à son programme, pour que vous puissiez lui proposer des choses même. Il n'y a pas forcément des sorties que vous pouvez lui proposer, vous pouvez lui proposer aussi autre chose. Il y a plein d'autres possibilités. Du coup, voilà. Et voilà, voilà. Il est situé, je peux vous dire qu'il est situé, enfin la MPT, la Maison pour tous de Châtillon, est située du coup au 9 avenue Paul Gelé, à Châtillon, sur Touet. Si jamais y a des gens qui confondent. Et aussi, je peux vous dire aussi comme quoi que tout simplement que voilà, son, alors je peux vous communiquer son numéro de téléphone si vous voulez, professionnel bien sûr, c'est le 07 82 93 85 12. Voilà, si vous souhaitez le contacter, je vous conseille de passer par lui directement. Voilà. Voilà, alors je répète le numéro, hein. C'est le 07 82 87 07 82 93 je répète 07 82 93 85 12. Voilà, excusez-moi pour ces petites gênances. Du coup, voilà. Et alors, voilà pour lui. Et la personne que vous verrez en photo avec moi, une fille, du coup, elle était du coup animatrice jeunesse à la MPT avant, jusqu'en novembre 2020. Et après, du coup, elle a laissé sa place à Othello. Et du
du coup, elle maintenant, elle se situe, alors, enfin, elle travaille au nombril du monde, à Pougny-Hérisson, si jamais il y en a qui connaissent. Et aussi, elle travaille, alors, en tant que bénévole, c'est pas vraiment du travail, mais voilà, je voulais vous le dire, à Bocage, Bocage, Gatine, un truc comme ça, à Bressuire, pour les jeunes, pour financer du coup les divers projets des jeunes, je crois, ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Bon, bah, du coup, les plaisuriens, je vous ai tout dit. Voilà, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas les contacts en tête de Violette, malheureusement. N'hésitez pas à appeler le nombril du monde, un conseil que je vous donne, n'hésitez pas à appeler le nombril du monde, à Pougny-Hérisson. Vous demandez à Violette Netzer, voilà, si vous voulez discuter avec elle, voilà, voilà, voilà quoi. Bon. Violette et Othello, si vous passez par ici, je pense que vous allez passer par ici. Désolé s'il y a des choses que j'aurais pas dû dire, mais bon, je préfère les dire comme ça, voilà, c'est fait. Du coup, les plaisuriens, je vais vous laisser. Du coup, c'est vrai que c'était une magnifique journée, il y a eu un spectacle. J'ai pas pu le filmer parce que c'était interdit, tout simplement. Du coup, voilà. Et du coup, voilà quoi, on a eu les élus. Alors, on a eu Alexandre Martin, pour info, comme élu à la communauté de communes de Parthenay-Gatine. Et les autres, je crois pas que j'en ai vu d'autres. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous laisser, plus de rien. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter, partager sur tous les réseaux sociaux. Salut les plaisiriens.